Ça s'arrête quand? Parce que là, c'est insupportable, hein. Ils sont même pas vivants, ces pauvres animaux. Enfin, ils sont même pas considérés comme tels, d'ailleurs. C'est assez horrible, hein. C'est vrai que c'est inacceptable encore aujourd'hui de voir ces images. Je peux que déplorer ce genre de choses de toute manière. Il y a vraiment une urgence incroyable. C'est insupportable. En regardant ces poulets, moi j'ai l'impression de nous voir mourir bientôt. Comme ça, parce que c'est ce qui va nous arriver en bouffant des trucs comme ça. On veut vraiment manger mieux que ça, tous. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ça, il y en aura beaucoup qui arrêteront de commander Domino's. Déjà, j'avais pas une très bonne image de cette enseigne. Mais non, là, vous m'avez incité à ne plus du tout gonfler leur chiffre d'affaires. J'ai parfois du mal à savoir ce que je peux faire à part boycotter ce genre de chaîne. Ce serait très bien que tous les restaurateurs, Domino's Pizza et bien d'autres, signent une charte éthique à ce niveau-là. Il faut juste leur dire d'avancer, de réagir et puis d'être responsable un petit peu dans leur achat, dans leur sélection, parce que c'est juste inadmissible aujourd'hui qu'une telle enseigne, et ça ne doit pas être les seuls, utilisent ces élevages intensifs. Donc c'est juste un stop et je signe bien sûr la pétition.